Et salut, on se retrouve pour la suite de ma carrière suivie sur ETS. Ça fait un petit bail, donc j'étais encore prendre les affaires. Évidemment, si je suis en vitesse, il démarre et puis il s'arrête. Et allez, on est parti. Je suis parti de Liège et je vais en direction de Liverpool. Bien, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours sur la pro mode, pas la dernière version parce que j'ai pas mis à jour. J'ai juste mis à jour ETS, mais pas la pro mode encore. Si j'aurais mis à jour directement, j'aurais perdu ma cargaison encore une fois, je resterais encore une fois retourné à Liège. Autrement dit, je perds plus d'argent que je n'en gagne. Toujours avec le DLC mode cabine. Hop là. Hop là, et ça y est, un accident. Ça, c'est quand on garde pas derrière. Retour en force des fails, des accidents, ça va aller. Et je me trompe encore dans ma vitesse pour pas changer.
dommage qu'il fait nuit, on peut même pas profiter du paysage. Un petit lag. Si freine, c'est qu'il y a une raison. Quoique parfois il freine alors qu'il n'en a pas besoin, mais bon. Et nous voilà prêts pour le ferry. Alors. Il faudrait que je regarde mes modes. J'ai l'impression que la carte est décalée. C'est plus qu'une impression. C'est vrai, on roule à gauche ici. Si je mets la première, ça ira mieux. D'où il vient, lui? Il n'y avait rien. Eh ben tant pis, ça fait le deuxième. Bienvenue en Angleterre. Vous avez un accident.
tu regardes, il n'y a pas de voiture, tu avances et on te fonce dedans, évidemment. Comme s'il ne me voyait pas, qu'il ne pourrait pas freiner. Et d'après eux, ils ont corrigé l'AI. Ou l'IA. Fais ça comme vous voulez. Je me méfie parce que comme ça dépasse un peu de la remorque, dans les virages, c'est délicat. Faire le plein tant qu'on y pense.
610 euros. 391 litres. C'est pour se lancer qu'on va s'amuser. J'ai rien dit. Il y avait plein de voitures, et puis soudain, il n'y en a plus une seule. C'est bien. J'ai encore failli rater. Enfin, Union Scania, là, faudrait que je l'enlève parce que ça n'est pas très réaliste. Dans les virages, ça fait bizarre. Je ne sais pas s'il a freiné ou si je l'ai touché, mais il m'a pas mis accident, c'est le principal. J'avais mis le clignotant, il n'avait qu'à s'arrêter. Pour ralentir, mais c'est passé. Moi je vois un gros camion devant moi avec... une charge qui dépasse de la remorque et son clignotant, j'insiste pas, je le laisse passer. Ok, la vitesse sur l'autre. On va se faire flasher. J'ai failli rater la sortie encore. Il se met au milieu le camion alors qu'il n'y a rien devant lui. Il aurait pu rester à gauche.
voilà, lui il change au dernier moment évidemment. C'est ça où je fonçais dedans. Ikea, je vais pas chez Ikea moi. Donc je continue tout droit. De près ça puisqu'il m'a rien mis à l'écran. Je regarde le paysage parce que sinon je vais de gauche à droite.
mais là moi elle est lent. C'est pas vrai ça. Je regarde à 10 frames, je me déplace et je fonce. Logique. Monotone à l'autoroute.
l'interprétation aussi. Est-ce qu'on sort ici ou à la prochaine? Kilomètres, ça va, on arrive. Ah tiens, c'est nouveau ça. Quand on dépasse la vitesse, ça devient rouge. D'accord. Ah bon, comme je ne roule jamais avec.
remorque pour farming. Cette marche arrière. Le frein à main, on coupe les gyros, on éteint le moteur. Et voilà, livraison tolérable. Bah oui, bah, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Ben voilà, les amis, c'était ici qu'on se quitte. Je vous dis bye bye. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.